Sans transition. Sans transition, être papa pour la première fois, ça fait... Il y a un gros mélange en fait, il y a une grosse perturbation entre le fait d'être dans un bonheur absolu et le fait d'être dans une peur au quotidien. C'est-à-dire que en fait, quand t'es papa, tu essaies de gérer, tu crois que tu gères tout à 100%, en fait tu t'aperçois que des fois tu ne gères rien du tout et c'est la vie qui gère à ta place. Tout ce que tu fais, en fait, tu espères, tout ce qui t'arrive, c'est que tu espères que tout va bien se passer, en essayant bien sûr de faire notre maximum. En tant que jeune papa, moi par exemple, puisque je suis papa que depuis 6 mois, j'essaie de faire mon maximum tout en espérant tous les jours et tout en priant pour que ma fille non seulement reste en bonne santé, ça c'est vraiment ce que j'espère de tout mon cœur, mais surtout, comme disait Janet tout à l'heure, que je puisse moi lui apporter les armes qui par la suite lui permettront d'avoir une vie aussi épanouie au moins que ma vie à moi. Qu'est-ce qui a fait selon toi que ta vie elle a été épanouie? Ce qui a fait que ma vie a été épanouie sans aucune hésitation, c'est l'amour que j'ai reçu de mes parents. Et aujourd'hui, tu vois, c'est vrai, quand t'es gamin, c'est un peu con ce que je vais dire, mais quand t'es gamin, t'es plus attiré pour le matériel. Tu veux un scooter, tu veux manger du Nutella, je dis des bêtises, mais tu veux tout ce qu'il y a de plus cher, tu veux t'habiller avec des habits à la mode et tout. Et puis quand tu grandis, tu te dis, mais finalement, tout ce que mes parents m'ont donné, c'est les armes les plus importantes pour avoir envie de croquer la vie à pleines dents. C'est l'amour. Mes parents m'ont donné un amour inconditionnel. Ils n'ont rien compté. Ils ont mis leur vie entre parenthèses. Dès lors que nous sommes nés, mes 5 frères et sœurs et moi, ils nous ont donné l'arme la plus précieuse qui puisse exister sur cette planète. C'est l'amour. Et tout ce que j'ai envie de transmettre à ma fille aujourd'hui, qui a seulement 6 mois, c'est tout mon amour. C'est tout mon amour. Et elle, au bout de 6 mois, elle te transmet quoi? Un amour à travers ses yeux que tu peux même pas imaginer, tu vois. Elle parle avec ses mots à elle. Excuse-moi, j'en parle avec un peu d'émotion parce que c'est très puissant ce qui se passe quand. Quand tu donnes naissance à un petit être comme ça qui n'a rien demandé à personne. Du haut de son innocence, elle t'apprend la vie en fait. Ton enfant, du haut de ses 6 mois et du haut de son innocence, elle te redonne ton taux d'humilité que tu aurais dû avoir toute ta vie et que tu as des fois perdu ou sur ton parcours. Tu t'es un peu monté la tête, tu t'es cru supérieur à ce que tu devais être et ton enfant, il te remet au niveau zéro. Il te dit voilà, le niveau, il est là. Toi, tu es ça. Tu es un être humain, papa. Il n'y a pas de mots pour l'expliquer, c'est tout est énergétique, tout se ressent. Ça se dit pas, ça s'écrit pas, ça se vit. C'est un truc de fou, c'est inexplicable, vraiment.